Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, Meetup numéro 75, ça marque quand même une grosse étape, voilà, on s'approche hein, du Meetup 100 finalement, ce qui est pas mal. Donc ouais, un Meetup à peu près toutes les 3 semaines, c'est ce qu'on essaye de faire. En ce moment c'est un petit peu plus compliqué, il y a pas mal d'événements chez Elastic qui arrivent, donc c'est peut-être pas aussi régulier que ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Elias et Benoît. Bonjour les garçons, qui vont Bonjour. nous parler de leur travail, ce qu'ils font sur le projet Track Déchets. Donc, impatient de voir ça. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation et de partager avec la communauté. Avant ça, je vais vous faire un petit update de ce qui se passe chez Elastic. Donc, on est le 20 avril, on a fait une release de la version 8.1.3 et 7.17.3. Ce sont des fixes notamment pour une vulnérabilité potentielle qui peut exposer des informations sensibles lorsque vous faites du monitoring de la suite Elastic. Alors, cette vulnérabilité n'arrive que si vous avez configuré manuellement un setting qui s'appelle monitoring.ui.elasticsearch, quelque chose. Et voilà, dans ce cas-là, vous êtes concerné. Donc, mais en tout cas, bon, faites vos upgrades comme d'habitude sur Cloud, c'est en un clic, pas, vous faites l'upgrade de la version. Et vous avez toujours la dernière version à jour. On a fait aussi une petite évolution côté APM serveur qui pouvait être assez surchargé lorsqu'il y avait trop de requêtes qui arrivaient sur le serveur. Voilà, ça c'est un petit patch qui a été fait. Alors je ne suis pas censé vous le dire, on va dire allez, ça reste entre nous. Mais normalement aujourd'hui sort la version 8.2 de la suite Elastic. Donc c'est notre secret. Allez, puis je vous envoie une petite vidéo pour voir tout ça. Voilà, pas mal de nouveautés à venir, donc j'espère que je ne me suis pas planté et qu'on fait vraiment la release de la 8.2 aujourd'hui, parce que sinon je suis pas bien. Sur Elasticsearch, pardon, sur Enterprise Search, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il racontait dans cette vidéo, et peut-être pas facile à comprendre. En fait, on a la possibilité maintenant de brancher Enterprise Search sur des index existants d'Elasticsearch, donc c'est un peu bring your own data.
Avant, on était obligé d'indexer dans AppSearch et dans Enterprise Search pour pouvoir récupérer de la donnée. Et là, maintenant, on va pouvoir vraiment mixer les deux, avoir une interface au-dessus d'Elasticsearch facile à utiliser pour faire de l'autocomplétion facile, tout ça, mettre des hits en avant, avoir les interfaces de gestion et compagnie. Donc, bon, très pratique. Je ne vais pas tester, je vais le tester assez rapidement dès que la version sera officiellement sortie. En observabilité, on a vu l'interface qui change, beaucoup plus simplifiée, beaucoup plus dense et voilà, plus facile. J'en avais déjà parlé la dernière fois avec Kibana en 8.2 est accessible en français, donc c'est super pour nous, vraiment chouette. Et j'avais vu le truc, ouais, le sampler agrégation d'Elasticsearch qui permet d'avoir des résultats à condition que vous acceptez les samples, évidemment, qui permet d'avoir des résultats beaucoup plus rapides sur seulement des sous-éléments. Donc voilà, c'était un peu ce qui se passe en ce moment. On cherche toujours des speakers, donc notamment pour début juillet, bien que je crois qu'on a trouvé pour début juillet, et la rentrée en septembre. C'est pareil, il y a quelqu'un qui est déjà sur le coup, mais voilà. En septembre, si vous avez un sujet à partager avec nous, n'hésitez pas à venir me voir et à me pinguer en fait sur Twitter pour en parler. Le 2 juin, donc dans un peu plus de 3 semaines, contrairement à ce que j'ai dit, nous aurons Maxime qui va nous parler du rôle d'Elastic dans le SRE du groupe Crédit Agricole. Donc Maxime était déjà venu, il nous avait déjà fait un retour d'expérience. Donc là, il va continuer voilà, à partager avec la communauté ce qu'ils font au niveau du groupe Crédit Agricole. Julien va venir nous parler de l'intégration d'Elasticsearch dans une application avec Flutter. Donc ça sera le 23 juin. Et puis sans doute quelque chose début juillet, vers je sais plus le 7 ou 9 juillet, je ne me rappelle plus exactement de la date, mais qui n'est pas encore tout à fait décidé. Donc voilà, je vais passer la parole à Benoît et Elias pour leur présentation. Ben, les garçons, la scène est à vous, comme on dit. Merci David. Bonjour à tous. Donc on va vous présenter un petit peu Track Déchets, donc qui est une plateforme du ministère de la Transition écologique dédiée à la traçabilité des déchets dangereux. Et du coup on verra notre utilisation d'Elasticsearch dans le cadre de deux petits modules de notre architecture. Je vais juste faire passer. Voilà. Donc rapidement, donc je vais rappeler en fait ce que c'est le programme Beta.gouv et le concept de startup d'État dans lequel s'inscrit le projet Track Déchets. On verra ensuite l'architecture de l'application et ensuite effectivement voilà les deux petits modules de l'application qui sont dépendants d'Elasticsearch. Donc un module de recherche multi-bordereau, on verra ce que ça veut dire, et un module de recherche des entreprises françaises. Et ensuite, voilà, question-réponse. Donc voilà, Track Déchets, c'est ce qu'on appelle une startup d'État. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une startup d'État? En fait, c'est l'idée de transposer des pratiques qui fonctionnent bien dans le monde des startups à des projets menés au sein de l'État et de l'administration. Donc, avec trois focus principaux. D'abord, vraiment être guidé par l'impact du produit numérique qu'on est en train de développer. Donc voilà, on mesure des métriques et voilà, tous les 6 mois, on évalue la performance de ces métriques pour savoir si le projet continue ou pas. On applique les principes vraiment de l'amélioration continue. Le but, c'est d'être vraiment au plus proche du terrain, au plus proche des utilisateurs et de raccourcir un peu les distances entre ceux qui font le code, donc les designers, les développeurs, et ceux qui utilisent le produit. Et enfin, on est vraiment des équipes autonomes, la plupart du temps des freelances constituées autour d'équipes d'agents publics. Voilà. Donc Track Déchets. Donc Track Déchets permet d'assurer la traçabilité des déchets dangereux. Il faut savoir que les entreprises sont responsables des déchets qu'elles produisent. Et concernant les déchets dangereux, elles se doivent de tracer ces déchets jusqu'au traitement ou à la valorisation finale de ces déchets. Donc jusqu'à présent, cette traçabilité était assurée par des bordereaux de suivi de déchets papier. Donc ça représente à peu près 18 millions de bordereaux papier qui sont émis chaque année en France. Et donc l'idée de Track Déchets, c'était vraiment de dématérialiser ce bordereau de suivi de déchets avec plusieurs objectifs. D'abord, réduire le risque environnemental du traitement des déchets en apportant vraiment de la transparence dans les chaînes de traitement des déchets.
Donc, pour tous ceux qui ont affaire à ce bordereau, vraiment simplifier la gestion administrative de ces bordereaux. Et enfin, pouvoir créer des allers-retours en fait, entre le terrain, l'usage sur le terrain du traitement des déchets et la réglementation. Donc, Track Déchets, c'est vraiment d'abord une plateforme en fait, auquel va pouvoir venir se connecter la plupart des parties prenantes. Donc, ça assure vraiment le partage d'informations entre les différents acteurs de la chaîne de traçabilité. Donc, on est d'abord une API. Donc, 80% de l'utilisation de Track Déchets, c'est par API, auquel viennent se connecter en fait, des logiciels du marché de traitement de gestion de déchets et également des logiciels métiers dans des grands groupes qui font du traitement des déchets et qui nous transmettent les informations en temps réel. Donc, quelques chiffres sur Track Déchets. Donc, c'est un produit qui a été lancé en 2018, qui est maintenant obligatoire, en fait, depuis un décret d'application d'une loi. On est une équipe de 12 personnes, dont voilà, on est 5 développeurs sur le projet. En termes un peu de volume, pour l'instant, on a 100 000 entreprises qui sont inscrites sur la plateforme. Et on traite environ 15 000 bordereaux de suite déchets par semaine. Et voilà, et toutes nos statistiques en fait sont publiques, donc vous pouvez les voir. On a également le code source qui est public. Voilà, il y a vraiment une logique d'ouverture du code et également de publication en open data de ce qu'on peut publier. Donc l'architecture très rapidement, donc c'est vraiment une architecture simplifiée. Donc comme je disais, on expose une API qui est une API GraphQL. On utilise une implémentation qui est l'implémentation Apollo, donc Apollo Server. Donc tout ça est branché en fait sur un serveur Node.js, un serveur Express, pardon. Donc en Node, on utilise pour toute la couche donnée donc PostgreSQL. Et un ORM qui est intéressant qui s'appelle Prisma. Je vous invite à aller voir, c'est assez chouette quand on fait du TypeScript parce que ça nous permet en fait de générer des types de façon automatique à partir des fichiers de définition de modèles. Et du coup, effectivement, Elasticsearch qui est assez présent dans notre pile logicielle qui va nous permettre de faire de la recherche au sein de tous nos bordereaux de suivi de déchets. Et également de rechercher des entreprises pour justement fiabiliser un petit peu les entreprises qui sont ciblées sur des bordereaux. Et tout ça est hébergé chez Scalingo. Donc Scalingo, en fait, c'est comme Heroku, donc c'est un PaaS, une plateforme as a service c'est une entreprise française qui utilise en fait les serveurs de Outscale. Et nous, c'est intéressant parce qu'on a des contraintes assez importantes de sécurité. Et chez Outscale, ils ont toute une région qui est certifiée Secnum Cloud, qui est en fait une certification de l'ANSI, qui est l'agence de sécurité des systèmes d'information de l'État. Donc, on en vient à notre petit moteur de recherche. Je vais quitter le mode plein écran là pour vous monter rapidement. Donc, l'interface Track Déchets se présente comme ça. Donc, en fait, on a des bordereaux qui sont classés un petit peu entre des bordereaux en brouillon, des bordereaux sur lesquels je dois agir, des bordereaux qui sont en archive. Et en fait, on va permettre de filtrer suivant différents paramètres. Notamment des numéros de bordereau, l'émetteur du bordereau, le destinataire, des codes déchets. Voilà, et tout ça est classé suivant différents onglets. On pourra revenir juste, je vais revenir après sur ce petit filtre-là, sur les identifiants. Donc, c'est un filtre, en fait, qui agit, en fait, sur plusieurs composants. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir vraiment filtrer sur les composants de façon séparée. Voilà, et puis en mettant effectivement voilà, que ça matche à la fois sur chaque partie de l'identifiant de façon séparée. Donc je reviendrai un petit peu sur l'analyseur qu'on a mis en place pour autoriser ça. Voilà, donc vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais repasser sur la présentation. Voilà. Donc pourquoi on a construit la difficulté pour construire nous ce moteur de recherche là dans cette interface, c'est qu'en fait on gère différents types de déchets qui historiquement correspondaient vraiment à des bordereaux papier différents, avec chacun en fait un cycle de vie différent, ce qui nous a amené en fait à créer des tables différentes
pour gérer chaque type de déchets. Donc BSDD, c'est les bordereaux de suivi de déchets dangereux classiques. BSDA, c'est tout ce qui correspond à l'amiante. BSDASRI, donc ça va être tous les bordereaux de suivi de déchets à risque infectieux. Donc c'est tous les déchets qui sont produits par par les hôpitaux, par les cabinets infirmiers. Bordereaux de suivi de fluides frigorigènes, donc c'est tout ce qu'il y a dans vos frigos. Donc ça aussi, c'est des déchets dangereux. Et BSVHU, donc c'est des bordereaux de suivi de véhicules hors d'usage. Donc en fait, tous ces bordereaux correspondaient à des tables séparées et on a été amené à construire justement cette interface qui devait regrouper tous les bordereaux dans une seule et même interface. Donc l'idée, c'était du coup, via les fonctionnalités de recherche qu'on voulait, c'était d'utiliser Elasticsearch. Donc en fait, on a mis en commun un peu tout ce qui pouvait être mis en commun entre ces différents bordereaux. Et du coup, on a indexé ça dans un seul et même index. Donc en fait un type de document qui est un peu un super type en fait à tous les bordereaux et sur lesquels justement on pouvait faire de la recherche. Il y avait pas mal d'enjeux techniques à cette architecture. D'abord, se posait vraiment le problème de la synchronisation entre justement notre table Postgre qui va être vraiment notre source de vérité. Et l'index Elasticsearch, pardon. Donc, pour éviter qu'il y ait une désynchronisation entre les deux. Ce que j'ai pas montré, c'est que, donc, nous, on a un front-end, c'est en React, et on utilise, en fait, une librairie cliente qui permet de gérer toutes les requêtes de données en GraphQL. Et du coup, on utilise un mode de pagination qui est une pagination GraphQL. Donc ça, il fallait gérer ça aussi avec Elasticsearch. On avait un problème aussi de rafraîchissement de l'interface parce que en fait, Elasticsearch se rafraîchit par défaut, je crois que c'est toutes les secondes. C'est pas synchrone avec les opérations de modification de documents. Et également, créer des analyzers sur mesure pour certaines colonnes. Donc pour ce qui est de la synchronisation entre Postgres et ES et Elasticsearch, donc l'idée c'était vraiment d'être sûr de ne jamais modifier les données sans appeler une modification du document correspondant dans Elasticsearch. Donc nous on a été amené vraiment à restructurer un peu le code autour d'une couche donnée dans lequel on venait hooker on mettait des petits hooks d'indexation et de mise à jour des documents Elasticsearch. Et en fait, il fallait à tout prix éviter d'utiliser en direct notre ORM pour justement éviter des désynchronisations. Ça nous a amené aussi vraiment à limiter toutes les opérations qu'on pouvait faire à la mano dans la base de données pour être sûr de passer par cette couche de données qu'on avait créée. Et donc, ça nous amène à créer notamment une interface d'administration qui permet de gérer toutes les opérations qu'on peut faire en DB de façon un peu plus manuelle. Donc ça, c'est un exemple de requête GraphQL qui permet de gérer la pagination. Donc, la pagination GraphQL, c'est une pagination qu'on utilise par curseur. Donc c'est vraiment, on passe en paramètres first et after. Donc en gros, on demande tant d'enregistrements après celui-ci. Et ça, c'est géré de façon quasiment native en fait par la librairie, le client qu'on utilise côté front. On a construit ça pour arriver à faire ça avec Elasticsearch. On utilise un paramètre qui s'appelle search after. Qui permet justement, étant donné un ordonnancement des données, d'aller chercher tous les enregistrements qui sont après celui-ci, enfin après un enregistrement en particulier. Il y a quand même un problème à ça, c'est que s'il y a un refresh de l'index pendant la pagination, on peut avoir des résultats incohérents, soit des doublons, soit des enregistrements manquants. Donc Elasticsearch propose une fonctionnalité intéressante à ce sujet qui s'appelle le PIT, c'est le Point in Time, en fait, qui permet de on récupère un ID en fait qui correspond à un état particulier de l'index et qu'on peut utiliser en fait tout au long de la pagination pour être sûr de pas avoir d'incohérence dans les données qu'on renvoie. Donc ça, c'était un sujet intéressant aussi. Et donc l'autre sujet, c'est effectivement comment rafraîchir l'interface en synchrone, puisque nous, en fait, notre interface se base justement sur les résultats de recherche.
Et du coup, quand on modifie un bordereau, qu'on fait une signature, on veut rafraîchir justement cette interface. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, quand on met à jour un document dans Elasticsearch, c'est pas synchrone, la réindexation se fait pas de façon synchrone. Il y a un rafraîchissement en fait périodique qui se fait toutes les secondes pour des raisons de performance. Donc on peut descendre un peu ce temps de rafraîchissement, mais c'est pas forcément recommandé. Donc nous, vraiment la solution qu'on a trouvée, c'est dès qu'on fait une requête depuis l'interface, donc qui va demander un rafraîchissement synchrone. On utilise un paramètre qui s'appelle WaitFor dans les mises à jour documents qui permet justement de dire d'attendre le prochain rafraîchissement, donc au maximum 1 seconde plus tard, avant de retourner. Voilà, et puis comme on est un meet-up élastique, il faut forcément parler un petit peu d'analyzer. Non, du coup, c'était sur les identifiants de bordereaux qu'on a vu tout à l'heure. Comme je dis, on a trois parties. On a une composante sur le type de bordereau, une composante sur la date et une chaîne random. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir matcher sur chacune de ces parties de façon indépendante avec une logique en et. Donc en fait, on veut matcher sur l'un et sur l'autre et réduire les résultats en fonction de ça. Donc sur ça, on a utilisé justement un analyzer différent pour en écriture et en search. Donc côté écriture et création de l'index inversé, on utilise des n-grammes, donc qui permettent de générer en fait voilà toutes les combinaisons pour chaque partie de l'identifiant. Et côté recherche, en fait on va juste découper la chaîne pour faire matcher sur ces n-grammes. Et on a un opérateur sur tout ça et ça fonctionne assez bien. Voilà pour le petit temps analyzer. Et je vais passer la main à Elias pour la présentation du module de recherche des entreprises. Oui, alors bonsoir à tous. Ah, désolé, ça se voit pas très bien les petites lettres dans le premier slide. Donc, de toute façon, c'est pas grave, je vais tout expliquer. Donc, pourquoi on a fait ce module-là? Bon, d'abord, le résumé, c'est qu'en très peu de temps, on a pu développer un nouveau module en remplaçant l'API de l'INSEE. C'est ce qui a fait le motiver à la base le choix d'Elasticsearch pour ce module-là qui était déjà présent dans la plateforme. Donc c'était parfaitement opportun. Pourquoi on a dû faire ce module de recherche? Parce que tous les bordereaux mentionnent des entreprises dans tous les sens. Et du coup, en éditant un bordereau, on a besoin de rechercher des entreprises par leur nom ou par leur numéro de Siret. À l'époque, on avait beaucoup de problèmes avec les API extérieures, dont l'officielle, celle de l'INSEE, parce que notre volume de requêtes dépassait largement et l'API de l'INSEE, on ne la contrôlait pas. Donc, ça ne nous permettrait pas d'avoir des performances de notre propre API qui attendait souvent l'API de l'INSEE pour pouvoir répondre. Donc, je donne à titre indicatif, là, on est à peu près à 35 000 requêtes toutes les 24 heures sur cette partie-là du module, enfin, sur cette partie-là de l'index, enfin sur cet index-là. Voilà, et du coup, on a déployé notre propre moteur de recherche il y a 4-5 mois, je ne sais plus à peu près. Et ouais, ça a été assez vite. Du coup, là, Benoît, tu peux passer à la prochaine. Tac. Alors, donc comme je disais, aujourd'hui, quelles recherches on fait dans ce module? Donc ces recherches-là, pour résumer, en gros, c'est encore à peu près 250 000 recherches par semaine. On a un temps de réponse en P99 à environ 700 millisecondes, ce qui est améliorable encore. Donc dans la première version qu'on a déployée il y a 4-5 mois, on a des recherches d'établissement environ sur 13 champs de cette data, de cette donnée publique de l'INSEE. En fait, on n'a pas pu faire un multi-match en requête parce que ça aurait fait des requêtes, des temps de réponse très très longs. Du coup, ce qu'on a utilisé, c'est la fonction. On a pour l'index, on a paramétré l'index, le mapping de l'index en utilisant le copy to, qui est une. On met ça sur chaque champ qu'on veut copier vers un champ fusionné. Donc, on a créé un champ fusionné complètement artificiel,
que là, je nomme TD Search Companies. Bon. Et en fait, du coup, après, nos requêtes ont juste besoin d'aller chercher en match à l'intérieur de ce search-là. Et ça a été à peu près la seule feature un peu spécifique de ce moteur de recherche en V1, parce que sinon, on fait un truc vraiment très simple avec des OR, des mots-clés et des OR. Et du coup, voilà, pour l'instant, ça, c'est comment on a construit cette recherche par entreprise. Du coup, Benoît, tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Voilà, les données, j'aurais peut-être dû dans l'autre sens, mais les données, en fait, elles viennent, c'est 32 millions et demi d'établissements environ, d'établissements d'entreprise en général, qui sont disponibles sur data.gouv.fr. Un des trucs particuliers qu'on a dû faire, finalement, c'est que pour ingérer les données, on avait des fichiers, enfin on dispose de fichiers CSV et de la donnée publique qui sont assez gros, donc on est obligé un peu de la problématique, c'est qu'on est obligé de passer par des flux, des lectures en flux de CSV pour pouvoir avoir des exécutions, des indexations assez légères. Et du coup, de l'autre côté, pour l'indexation, on était plus ou moins obligé d'utiliser bulk index et pas index tout court. Le côté simple de ce problème, c'était que ben, les données sont très simples, c'est du texte, des CSV, beaucoup de champs vides, mais voilà, c'est une grosse matrice, mais assez simple. Il n'y avait pas trop de données pièges dedans. Je crois que la deuxième fonctionnalité un petit peu avancée du mapping de cet index, c'est matcher les champs qui contiennent une date en utilisant le pattern pour typer en date, les colonnes dont on connaît le pattern date, quoi. En fait, c'est les données de l'INSEE, les champs commencent par date en minuscule, et ensuite date quelque chose, date x, y, z. Donc c'est très simple, on a utilisé cette fonctionnalité-là. Voilà, peut-être la prochaine slide, Benoît. Donc on le fait périodiquement, c'est simple, aussi parce que l'INSEE, tous les premiers du mois, il publie la nouvelle version, donc on l'ingère. On a un cron, en fait. Donc il y a deux problématiques là-dedans, c'est que quand on fait du bulk index, on manque souvent la partie observation de ce qui se passe et puis log d'erreur. Donc c'est important d'implémenter bien comme il faut la lecture de la réponse du bulk index, parce qu'il peut y avoir à l'intérieur du bulk index des problématiques que sur certains documents. On a fait ça. Ensuite, nous, donc, le système d'indexation, là, il se fait en deux temps, parce qu'on doit d'abord, indexer ce qu'on appelle le stock des unités légales dans l'INSEE. En fait, c'est les maisons mères, c'est les établissements, c'est pas les établissements, les SIRET, c'est pas les adresses, c'est les maisons mères. Donc, on indexe d'abord les maisons mères et ensuite, on fait notre index en production de tous les établissements, donc les 32 millions et quelques, et pour chacun des 32 millions, on vient copier les données de la maison mère. Du coup, pour ça, on fait une série de multi-get et de bulk index. Les multi-get, ça nous permet en fait de faire par tranche de... Je sais plus, je crois qu'on fait par tranche de 2000, mais j'en parlerai plus tard. On fait par tranche de 1000 multi-get et on complète notre tranche de 10 000 documents indexés. Donc on indexe par 10 000 comme ça. On a eu une petite optimisation pour alléger en fait finalement les échanges entre le conteneur qui fait le script et Elasticsearch. On exclut nous systématiquement les données en retour. Par ce pattern qu'on a mis en utilisant l'option source exclude dans les options de bulk index. Il y a ce source exclude qui permet de dire, bon, je ne veux pas connaître le temps que ça a pris, donc j'enlève tout, et puis je ne veux pas connaître le contenu de la source, le document indexé, parce que ça serait hyper lourd en fait de recevoir toutes les données en retour. Donc on a utilisé notamment avec la wildcard étoile qui permet de dire, je ne veux rien recevoir des informations qui commencent par underscore, donc notamment underscore source, parce qu'on ne veut pas du tout recevoir ça et surtout alourdir le conteneur qui exécute ça. C'est un tout petit conteneur avec 2 gigas de RAM max, donc voilà. Pendant l'indexation, on a une problématique, c'est qu'on ne doit pas couper l'accès à l'index en production.
Et que, comme je disais tout à l'heure, on fait du parallèle du multi-get et du bulk index. Et c'est vrai qu'on a une, on a eu, moi j'ai eu un questionnement, c'est comment dimensionner la taille de ces bulk index et de ces multi-get. On n'est pas arrivé à avoir une réponse claire. Donc on y allait un peu au pif, et puis surtout un peu à ce qui était satisfaisant, c'est-à-dire l'indexation, elle est lente, mais ça nous pose pas de problème. Parce que on est, en disant qu'on n'est pas à 24 heures près sur la mise à jour de tous les mois. Donc, on indexe 10 000 par 10 000 pour arriver à 32 millions. Ça met un peu de temps. Malheureusement, on ne dispose pas en production d'un serveur Elasticsearch de version. On a la version 6.8. Du coup, on ne dispose pas dans les versions plus récentes du Helper Bulk Index qui permet d'utiliser de la concurrence pour faire des bulk index en concurrence. Et c'est un helper qui est dans les clients, dans les SDK, Python, Node, etc., qui permet de faire de streamer un CSV, de faire du bulk index et de gérer la concurrence en trois options, donc en cinq lignes de code, quoi. Donc ça, nous, finalement, on l'a recodé un petit peu à la main, sans la concurrence, parce que on a simplifié le problème, on n'a pas besoin de concurrence, et puis surtout, en face, on a dimensionné 3 nœuds Elasticsearch à 4 Go de RAM, donc on n'avait pas besoin de beaucoup plus. Voilà. Peut-être le slide suivant, je ne sais plus si c'est le dernier ou pas. Oui, donc je parlais le défi de la gestion d'erreur pour les bulk index. Donc dans ces cas-là, en fait, ce qui est important, c'est de savoir ce qui s'est passé. Et puis comme c'est long à exécuter, puis c'est des données massives, du coup, il faut un logger. Et ce qui est bien, c'est d'avoir de boucler sur les réponses du bulk index pour aller voir ce qui se passe document par document, les problèmes qu'il y a, et puis les loguer de manière à pouvoir les analyser plus tard, parce qu'on ne peut pas avoir le nez sous un script qui dure des heures. Et du coup, on peut balancer ça, pardon, on peut envoyer ça directement à un autre Elasticsearch, pourquoi pas, un autre index, pour aller voir ça dans Kibana ensuite, ou alors dans un Datadog ou autre chose. Il y a une autre chose à faire quand on reçoit les réponses du bulk index qui sont intéressantes et importantes, c'est de vérifier qu'on ne peut pas retry, parce que peut-être que pendant le bulk index, on surcharge le serveur, et peut-être que sur certains documents, Elastic peut nous répondre 429 too many requests. Et ça, on a la possibilité de pouvoir refaire un index atomique, enfin unique pour le document qui n'est pas arrivé parce qu'à ce moment-là, il y avait trop de requêtes au serveur. Donc c'est intéressant de boucler, et donc le JSON qui est renvoyé par bulk index, il y a tous les items et on sait ce qui s'est passé par item, s'il y a eu des erreurs, et puis s'il y a un statut code de 429, on réessaye. Voilà. C'est à peu près ça pour la gestion d'erreurs. Pour la problématique de garder en production l'index et puis de faire zéro downtime, on utilise les alias d'index, évidemment, comme tout le monde. Le petit truc intéressant, c'est de dire, bon, bah, on crée un nouvel index à chaque nouveau script avec un timestamp à la fin ou un numéro de version, ou n'importe quoi. Et à la fin du script, on pointe l'alias sur le nouvel index. Et pendant ce temps-là, bon, bah, l'ancien index fonctionne. Il y a une manière de faire pour ne pas avoir de moment de vide. C'est-à-dire de ne pas faire un delete de l'alias et ensuite une requête pour faire l'ajout, c'est en utilisant le put de l'API Elastic pour mon index slash underscore alias slash mon alias en prod, et de mettre les deux actions atomiques, en fait, les deux actions à la suite dans le body là, que j'ai donné en exemple. Ce qui permet, en fait, c'est Elastic qui garantit, en fait, que le remove et le add vont se faire dans une seule transaction. Et puis, du coup, on évite aussi d'avoir un écart de temps entre les deux rolling de, enfin, les deux pointages de l'alias. Et du coup, si on a de gros volumes sur notre propre API, il n'y a aucun moment où, en fait, il va y avoir des erreurs, quoi. Du coup, c'est ce tableau d'action remove add qui permet de garantir ça quand on veut garder un alias en prod sans aucun problème. Donc nous, on n'a jamais on reçoit avec le volume qu'on a, on n'a jamais de problématique d'index qui part de la prod grâce à ça, enfin qui disparaît momentanément de la prod grâce à ça. Voilà.
Je crois que ensuite, c'est terminé. Et c'est terminé. Et oui. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire d'intéressant pour l'instant dans cette V1 de track déchets, enfin des modules de recherche sur track déchets. Et donc tout le code source est sur GitHub. Hein. Vous cherchez track déchets sur GitHub où vous trouvez l'API, le front, le search, tout ça. Je suppose qu'à partir de cette adresse-là, on peut retrouver le lien aussi GitHub à partir de là, je suppose. Sur Ouais, c'est trackdéchets.bêta. ça. trackdéchets.bêta.fr. Ok, super. Merci beaucoup pour ça. Donc, si vous avez des questions, chers auditeurs, à poser, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Moi, j'ai eu quelques questions à propos de la synchro entre Elasticsearch et Postgres. Vous avez dit que vous faisiez un script de resynchronisation totale. Est-ce que vous avez envisagé de faire un script un peu moins total, qui était de dire finalement je vais dire allez, si je sais que c'est une certaine partie de je sais pas des informations qui ne sont pas à jour, par exemple les informations du mois dernier, est-ce que je vais pas faire plutôt une extraction que des informations du mois dernier depuis ma source et ne réindexer que celle-là parce que je sais que c'est ce qui manque. Je sais pas s'il y a une notion de date hein, dans ce que vous avez, mais. Alors, normalement, la désynchronisation, c'est forcément lié à un accident. Donc, ça, Oui, c'est par sûr. exemple, on a eu des cas au tout début où on supprimait des bordereaux dans Postgre au support, notamment parce qu'on avait des demandes de support qui ne pouvaient pas être gérées via l'application. Et en fait, au début, on avait complètement oublié, notamment, de mettre à jour l'index. Donc, maintenant, on a des petits scripts justement pour supprimer à la fois par exemple, un bordereau dans Postgre, dans Elasticsearch. Et notre script en fait de réindexation totale, de toute façon, il est là aussi. Si vraiment on a des doutes sur de la synchro, on a identifié quelque chose qui s'était mal passé, et dans ce cas-là, on prend le temps de le faire le soir, à un moment où il y a quasiment pas de trafic, et ça pose pas trop de problèmes. Et on en a besoin aussi, de toute façon, quand on change le mapping ES, ou du coup, voilà, lors des mises en production, on fait un bump de la version de l'index. Et de la même façon qu'Elias a expliqué, voilà, avec un système d'alias, on a un rollover. Voilà. Donc ce script, il est là aussi pour ça, en fait. Je suppose que ça reprend du temps de réindexer tout ça, parce que c'est lire la base qui doit être long, je suppose. Ouais, ça prend du temps, ça prend de plus en plus. Donc effectivement, ça c'est de façon un peu itérative. Hein. Au début, ça pose pas de problème, mais avec la croissance du nombre de bordereaux, ça va l'être de plus en plus. Ouais, c'est pour ça sur un projet précédent dont je vous parlais tout à l'heure en off, effectivement, ce qu'on avait fait, c'est pareil, un script de resynchronisation totale, mais on pouvait passer des paramètres pour dire finalement, on va prendre qu'un sous-ensemble parce qu'on a identifié que les erreurs qu'on a observées, c'est-à-dire en gros, on faisait des comptages avec nous, on groupait par date, hein, mais ça peut être par autre chose, et on faisait les comptages sur la base Postgre, des comptages sur Elasticsearch, et on voyait quand il y avait des différences, ah, c'est tel mois qui est en différence, ok, je réindexe que ce mois-ci sans avoir à tout réindexer. Et comme on utilisait les mêmes ID des deux côtés, on allait écraser finalement les données dans Elasticsearch qui n'étaient plus à jour. C'est un moyen de faire. Bon, les deletes, c'est compliqué effectivement à gérer aussi, hein, c'est vrai. Un delete qui a disparu, c'est souvent un problème. Dans ce que vous avez dit à un moment, vous parliez de la création de fiches Siret en allant extraire les informations au niveau Siren pour avoir toutes les informations sur l'entreprise. Alors, comme vous avez une version 6.8, je pense que vous n'avez pas à votre disposition cette fonctionnalité, mais dans les versions plus récentes, dans les 7 et des poussières, je ne sais plus dans quelle version, il y a un processeur ingest qui s'appelle Enrich, qui justement permet d'aller lire un autre index au moment où on injecte la donnée. Et lui, ce qu'il va faire, il va avoir une sorte de cache en fait, qu'il va réussir à mettre en place pour que ce soit assez rapide. Donc peut-être que c'est un truc que si vous migrez de version et vous montez de version un jour, peut-être que vous pourriez explorer ce truc-là, plutôt que d'avoir à faire ces multi-get et ces bulk. Après, en fait, vous ne faites que du bulk et vous dites à un ingest d'aller lui-même enrichir les documents en allant taper dans un autre index et aller récupérer l'info. Ouais, en lui donnant la clé pour trouver les trucs, quoi. Exactement. Ok, intéressant, merci. Et vous avez dit un moment, ouais, pour le bulk, on a trouvé au niveau de la taille, on ne savait pas trop comment trouver et tout, et on y allait comme ça un peu à l'aveugle. Je vous confirme, c'est la bonne méthode. Il faut vraiment y aller comme ça. Moi, à chaque fois qu'on me pose des questions sur c'est quoi le bon chiffre,
Test. En fait, et test comment ça fait sur tes machines, sur ton cas d'utilisation, sur tes données. J'étais pareil, moi j'étais arrivé aussi à 10 000 comme chiffre. Bon, 10 000, au-dessus de 10 000, ça allait pas plus vite, ça accélérait pas plus, ça chargeait plus la machine pour rien. En dessous, je ralentissais. Donc, c'est pareil, j'avais trouvé 10 000, c'était un bon chiffre pour les bulks en parallèle. Les bulks. En fait. Donc, c'est pas mal. Je regarde s'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions. En tout cas, moi j'ai fini avec les miennes. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Et puis, rappel, le 2 juin, on accueille Maxime qui va nous parler du rôle d'Elastic dans le SRE du groupe Crédit Agricole. Ah, si, une petite question. Hop. Merci pour la présentation. Comment ça se passe pour l'hébergement? Quelle infra? Ah oui, tu veux répondre, Benoît? Ouais, je peux répondre. Du coup, comme je disais, en fait, on est chez Scalingo. Donc vraiment, Scalingo, c'est vraiment comme, pour ceux qui connaissent, Heroku. Donc c'est une plateforme as a service qui nous permet justement de... En fait, on démarre, nous, donc on est sur une application Node. Donc en fait, on a notre repo GitHub qui est connecté à Scalingo et on déploie vraiment des containers. On peut mettre plusieurs containers en parallèle, on peut redimensionner les containers. Et en fait, on ajoute en fait des add-ons. Et les add-ons, c'est Postgre, Elasticsearch, on a un Redis qu'on peut aussi voilà, redimensionner à la volée. Donc nous, c'est vrai que ça nous évite quand même pas mal de boulot d'infra. Le seul petit inconvénient, comme disait Elia, c'est que sur Elasticsearch, pour l'instant, on est bloqué sur la version 6.8. Voilà, sur la version, j'ai pas tout le détail, mais c'est la version open source. Voilà, donc on est bloqué là-dessus, on n'a pas accès aux toutes dernières fonctionnalités. Ouais, donc pour ceux qui regardent d'ailleurs la conférence, il y a aussi dans le même ordre que Scalingo, il y a Clevercloud aussi qui est pareil en France et qui propose le même type de service et qui, pour le coup, normalement, a toutes les versions à jour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu voulais rajouter un truc, Elias, peut-être? Non, non, j'ai cru t'entendre. Non, non, ok, c'est bon, parfait. Ok. Ben merci les garçons, merci d'avoir partagé ce retour d'information avec la communauté. Et puis allez voir leur projet, c'est pareil, c'est open source. Hein. Si vous avez envie de contribuer, rajouter un petit peu de code, n'hésitez pas à faire des pull requests et compagnie. Je suppose que c'est le bienvenu ou des issues ou que sais-je encore. Merci, bonne soirée. Merci. Merci à vous pour l'invite. Avec plaisir.